Il est essentiel de dire à l'enfant que le corps ne souffre plus. Une fois que l'on est mort, lui n'est pas en danger de mort. Il n'est pas seul. On va s'occuper de lui. La personne décédée n'est pas oubliée. On va toujours penser à lui, toujours penser à elle. Mais il est aussi tout à fait important d'expliquer avec des mots simples à l'enfant, même si l'enfant n'a pas encore acquis le langage, lui expliquer. Répondre simplement aux questions qui sont posées. Laisser les questions émerger au rythme même de l'enfant. Ne pas anticiper, ne pas présumer de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas. De bien consolider la frontière entre la vie et la mort. Bien insister sur le caractère tout à fait irréversible de la mort. Le mort ne revient plus. Ne pas le laisser s'enfermer dans le silence, dans le mutisme. Ne pas hésiter à lui dire « Comment te sens-tu ? Comment vas-tu ? » Ne pas répondre trop vite aux interrogations directes de l'enfant. Par exemple, un enfant peut dire ceci après la mort de Monsieur Dupont. « Monsieur Dupont était aussi âgé que papy ?» Cette question peut laisser sous-entendre « Est-ce que papy lui aussi va mourir ?»